welcome you to this service for the Lord on March 29th, 2020. Alors nous espérons vraiment que vous avez pu bénéficier de la louange et de l'adoration. We hope you had a marvelous encounter with God during the praise and worship. Et que vous avez senti la présence de Dieu dans votre appartement chez vous. And that you really felt the presence of God where you are today. Et là nous voulons vraiment rentrer dans la parole de Dieu. So we're going to jump right into the word of God together now. Et je crois que Dieu a un message tout particulièrement pour nous aujourd'hui. I believe that God really has a very special message for each and every one of us today. Alléluia. Donc on va rester connecté sur la présence de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. So stay connected to the presence of God and to the Spirit of God. Avec ce chant. We're going to start with a worship song. Alléluia. Praise you, Lord. Worship you, Lord Jesus. We bless your name. Tu es saint, Seigneur, saint, saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. The earth is filled with your glory. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est rempli de ta gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit la maison. Des séraphins ne cessent de crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Et les fondations tremblent au son de ta voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que chanter. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. L'Éternel nous dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. To you be the glory. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte présence. Lord, we thank you for your holy presence. Et nous te remercions pour ton Saint-Esprit, Seigneur. We thank you for the Holy Spirit who's at work.
Seigneur, je prie que ta présence soit manifeste dans tous les foyers qui nous regardent maintenant, dans le nom de Jésus. Lord, I pray right now that the Holy Spirit would manifest powerfully in every household connected to this service. Seigneur, je prie que le ciel envahisse chaque foyer, Seigneur, qui nous regarde par Internet. I pray that heaven would invade every household who is watching by Internet today. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur, voir ta gloire manifestée. Yes, Lord, that's all we want to see is the glory of the Lord our God manifested in the earth. Et Seigneur, tu as fait de chacun de tes enfants des porteurs de ta gloire, des porteurs de ta présence. You have made each and every one of us carriers of your glory, carriers of your presence. Et Seigneur, en ces temps de troubles, and in these difficult times, Lord, tu fais de nous, Seigneur, des porteurs de ta gloire, des porteurs d'espoir. You have made us carriers of your hope. Oh Seigneur, que le ciel envahisse nos foyers maintenant dans le nom de Jésus. We pray that heaven would invade every household right now in the name of Jesus. Et merci parce que tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que ton Saint-Esprit a à nous dire, Seigneur. Thank you today you give us ears to hear what the Spirit is saying to the churches. Merci pour la foi que tu suscites dans le cœur de chacun d'entre nous. Thank you for releasing faith in each and every one of our hearts. Et Seigneur, je prie afin que tu ouvres nos yeux spirituels. I pray that you would open our spiritual eyes now, Lord. Afin que nous voyons, Seigneur, tes œuvres. So that we can see your work. Ces œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Seigneur. The works that you have prepared beforehand for each of us to walk in. Oh, manifeste ta présence plus que jamais parmi ton peuple. Manifest your presence more than ever among your people, Lord. Seigneur, que la passion et que le feu soient ravivés dans le cœur de chacun d'entre nous. Let the fire of God and the passion for God be stirred up in the hearts of every single one of us. Merci, Seigneur, pour le ciel que tu as ouvert. Thank you for opening heaven. Pour ce privilège, Seigneur, que nous avons de déclarer un ciel ouvert maintenant dans le nom de Jésus. Thank you for the privilege of declaring open heavens right where we are today. Et Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. We open our hearts to you now, Lord. Pour recevoir une parole fraîche qui vient de ton cœur maintenant. To receive that fresh word that is burning in your heart for us. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous prions. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur fait quelque chose de très puissant dans notre génération. Brothers and sisters, I really believe that God is doing something extraordinarily powerful in our generation. Et une des paroles qu'on a entendues dans notre église il y a quelques semaines, lorsque nous avons vu ce fléau s'abattre sur notre nation. And one of the words we kept hearing at the beginning of this crisis a few weeks ago. Le Seigneur vraiment a rassuré son peuple en disant que votre cœur ne se trouble pas. Was God reassuring his people and saying, let not your heart be troubled. Et là, je veux vraiment donner à chacun d'entre vous une parole qui vient du cœur de Dieu. I want to share with you today a word that I received, I believe, comes straight from the heart of God. Dans ces temps qui sont vraiment troublés. Especially during these difficult times. En tant que peuple de Dieu, nous devons rester dans la paix. As the people of God, we need to remain in the peace of God. Cette paix que rien ni personne ne peut nous voler. This peace that comes from him that no one or nothing can steal from us. Cette paix que rien ni personne ne peut amoindrir. No one and nothing can diminish that peace. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Because we are the temple of the Holy Spirit. Et Dieu nous a choisis pour ce temps particulier. And God has chosen us for this very time. Dieu a fait exprès de nous faire naître dans ce temps particulier. And God has actually placed us strategically for such a time as this. Pour que nous soyons appelés à être des porteurs d'espoir. Because we are the carriers of his hope to this world. Des porteurs de salut. The carriers of salvation. Et dans les temps actuels, des porteurs de guérison. And particularly in these times, those that bring healing to the sick. Et là, pour commencer un peu dans le vif du sujet. So to jump right into our theme today. Le titre de mon message, c'est « Fais pause et écoute ». The title of this message is « Take a break and listen ».
Bon, je crois qu'il n'est pas très nécessaire de dire que nous vivons un temps spécial, une saison nouvelle. I don't think it's necessary to say that we're living in a very particular time in history. Et c'est vrai que peut-être que dans les mois passés, dans les années passées, tu as entendu souvent, on est dans une nouvelle saison, on est dans un temps particulier derrière le pupitre. Now, maybe you've already heard it said from behind a pulpit, we live in a new season, we live in a new time. Et là, il est évident pour tout le monde, même que tu sois croyant ou pas croyant. Now, it's becoming clear to everyone, whether you're a believer or a non-believer. Que nous vivons quelque chose d'exceptionnel. We are experiencing something never before experienced. Que nous traversons une situation qui est exceptionnelle. We're going through a situation that we've never encountered before. La planète tout entière. And this is true for the entire planet. Avec ce fléau, avec cette pandémie qu'on appelle COVID-19. With this pandemic that we call COVID-19. Nous savons que tous, que nous soyons chrétiens ou pas, croyants ou pas. We know that whether we're Christian or not, whether we're believers or not. Il y aura un avant COVID-19 et un après COVID-19. We realize that there will be a time before the virus and a time after the virus. Et en fait, cette pandémie nous montre que nous avons peut-être construit sur des choses qui n'étaient pas forcément selon le cœur de Dieu. Now, one of the things this pandemic is showing us, it's revealing to us the things that have not necessarily been built according to the plan of God. Nous voyons que les choses sur lesquelles nous avons construit sont des choses fragiles. We have discovered that certain things we've built are actually on foundations that are fragile. Et faillibles aussi. And weak. Et une chose est sûre, le monde va être complètement différent après le COVID-19, quand on aura passé ce fléau. And we know that once this crisis is over, the world will see things differently. De la même façon que le monde a été différent lorsque nous avons passé le 11 septembre, ce fameux 11 septembre. In the same way that the world was entirely changed after September 11th. Mais là, ce n'est même plus le 11 septembre loin de nous. So now we're not talking about 9/11 anymore. That's in the distance. Bien que tout le monde occidental a été vraiment frappé par cet événement. Even though everyone in the Western world was particularly struck by that event. Mais ce fléau attaque toute la planète. But now the entire planet is being attacked by this sickness, this virus. Et là, notre pays, nous sommes en plein dans la vague. And we're currently experiencing it to its fullest in our own country. Et là, nous nous sentons vraiment concernés. C'est pas quelque chose qui est loin. We're talking about something that is happening today. It's not something in the past history. Qui a duré une seule journée. It's not an event that only lasted one day. Mais là, on parle de semaines, on parle de mois. We're looking at a period of weeks, possibly months. Et nous-mêmes, nous sommes confinés bientôt. On va attaquer notre troisième semaine de confinement. And very shortly, we'll be starting our third week of lockdown. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un niveau supérieur. So we see that this has gone to the next level of crisis. Mais je voudrais ce matin vous dire, malgré les temps difficiles, malgré les temps douloureux que nous traversons. This morning, I want to say to you that despite the difficult and painful times we're going through. Je voudrais susciter l'espoir dans le cœur de toutes les personnes qui nous écoute. The Holy Spirit wants to awaken hope in every single person listening to this message. Et même renouveler la foi de chacun d'entre nous. And God wants to renew our faith in each and every one of us. Fortifier notre foi. He wants to strengthen our faith. Et il y a une seule façon de fortifier notre foi, de renouveler notre foi. There's only one real way to strengthen or to renew your faith. C'est d'entendre Dieu nous parler. It's when you hear God speak to you directly. Parce que notre foi est basée sur ce que Dieu dit. Our faith is based on what God says to us. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. The Bible says that faith comes by hearing, and hearing by the word of God, the word of Christ. Et en tant que croyant, en tant qu'église de Jésus-Christ, now, as a church of Jesus Christ, c'est bien de nous informer, frères et sœurs.
It's one thing, and it's a good thing, to stay informed. Pour savoir comment prier. Because we need to know how to pray. Pour savoir comment nous positionner. We need to know how to position ourselves. Mais ce n'est pas en écoutant BFM TV 24 heures sur 24 que ça va bâtir ta foi. But it's not by listening to all the news stations 24 hours a day that your faith will be stimulated and built up. Parce que Romains 10, 17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Romans 10, verse 17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Et ce qu'on entend du rhéma de Dieu. In other words, when you hear that rhéma word from God himself. Et pas de ce qu'on entend de BFM TV ou de CNN de façon constante. Not when you hear what they're saying on the news. Ça va simplement t'apporter de la crainte, de la peur, de l'angoisse. Sometimes what you hear on the news will only produce fear and anguish and distress. Et ça va pas bâtir ta foi. But it's not going to build your faith. Mais nous devons comprendre qu'en tant que peuple de Dieu. So one thing we need to understand as a people of God. Nous avons une responsabilité. Is that we have a responsibility. De faire pause. It is up to us now to take a break. Et d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. And take the time to listen and hear what God is telling us. Car Dieu parle. God is speaking at this very moment. Alors je veux juste simplement clarifier les choses. So I'm just going to be specific about a few things. Quand je dis que Dieu parle, when I say that God is speaking, je ne dis pas que Dieu a envoyé la maladie, le COVID-19, pour nous enseigner quelque chose. I'm not saying that God is the one who sent this virus to teach us something. Je ne dis même pas que Dieu a envoyé cette maladie. I'm not even saying that God sent the sickness to this planet. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu bon. Because the God I serve is a God who is good. Le Dieu que je sers a un message d'amour. The God I serve has a message of love for this generation. Le Dieu que je sers a un message de salut, de rédemption et de guérison. Has a message of salvation, of healing and of redemption. C'est vrai qu'il y aura un temps où le jugement de Dieu va se manifester sur la terre. Now we all know that the judgment of God will one day come to this earth. Mais ce n'est pas encore le temps. But it's not yet the time for that judgment to take place. Le temps que nous vivons, frères et sœurs. Brothers and sisters, these times that we are living in est encore un temps de grâce du Seigneur. Is still in the dispensation of grace from God. Où le salut est encore disponible. Salvation is still available to humanity. Où la bienveillance et la bonté de Dieu est encore disponible. The goodness of God, the loving kindness of God is still available to humanity. Où il est encore possible d'être réconcilié avec Dieu. You see, it is still possible to be reconciled to God. Il est encore possible de prier et de recevoir des promesses de Dieu. It is still possible to pray, to seek God, to receive his promises. Donc qu'est-ce que Dieu dit? So what is God telling us through this situation? Donc je crois que Dieu est en train de parler à deux niveaux. God is speaking to us at two levels. Et nous voyons que par le confinement que nous sommes en train de vivre dans ce pays. And through this lockdown, we're seeing something. Et même par le discours du président Macron le 16 mars, je crois. And even when the president of our nation gave his speech on March 16th. Lorsqu'il a dit que nous étions en guerre. When he said over and over again, we are at war. Et de nous concentrer sur l'essentiel. When he told us we need to focus on what's important. Je crois que nous pouvons entendre la parole de Dieu à ce niveau-là. Even through what he said, I believe we can hear what God is speaking to us. Il s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. He was talking to people who didn't even know God. Pour faire réaliser que nous sommes dans une guerre. But his words made us realize that we are indeed at a time of war. Et qu'il est temps de se concentrer sur l'essentiel. And it's time to focus on what's important. Donc nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes dans une guerre. We know, as Christians, we know we are in a spiritual warfare. Mais la guerre n'est pas contre la chair et le sang.
But our warfare is not against flesh and blood. Mais pas contre les hommes, contre les femmes, contre un parti politique. Our warfare is not against a man or a woman or a political party. Et pas contre une nation. It's not against the nation. Notre guerre n'est même pas contre le coronavirus. Our warfare isn't even against the coronavirus. Notre guerre est contre les puissances des ténèbres. Our warfare is against the powers of darkness. Contre les puissances des ténèbres qui n'ont qu'un seul objectif, de tuer, de voler et de détruire la race humaine. And these powers of darkness only have one goal, to kill, steal and destroy the human race. Donc le Seigneur est en train de nous parler, nous, Église de Jésus-Christ. So the Lord is speaking to his body, the Church of Jesus Christ. Et nous dit, hey, les enfants, réveillez-vous. It's like he's saying, hey kids, it's time to wake up. Rappelez-vous, nous sommes dans une guerre. Remember, you are in a spiritual warfare. Rappelez-vous, il s'agit de répandre mon royaume. Remember, you are called to extend my kingdom. De répandre mon royaume d'amour sur cette terre. My kingdom of love throughout the earth. De proclamer l'évangile de Jésus-Christ. To announce the gospel of Jesus Christ. Et là, il semblerait que le Seigneur est en train de montrer une image de ce que lui est en train de voir chaque jour. The Lord is showing us an image of what he sees just about every day. Ce que nous traversons est comme une illustration de ce qui se passe chaque jour lorsque nous n'avons pas conscience. In other words, what we're going through right now is a parallel to what we experience every day without even being aware of it. Chaque jour, des hommes et des femmes partent en enfer sans Dieu. Every single day, men and women leave this earth without knowing God. Sans pouvoir jamais être réanimés. They don't come back to life. Sans jamais pouvoir être soignés, entourés. They're not being cared for, they're not surrounded. Après la vie, après la mort, sans Dieu, c'est l'enfer éternel. After death, if you don't know God, you have eternity in hell. Il y a un virus bien plus virulent que le COVID-19. There is a virus much more powerful than the coronavirus. Qui a été infecté dans la race humaine. And this virus has infected all of humanity. Lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont avalé le mensonge du diable. And it came to the earth when Adam and Eve swallowed the lies of the enemy. Ce mensonge du diable qui faisait douter de l'amour de Dieu. That lie that made them doubt God's love for them. Et à cause de ce mensonge. And because of that lie. Le péché est rentré dans le monde. Sin came into the world. Le péché est rentré dans la race humaine. Sin came into the human race. Et nous avons été infectés de ce virus. And we were all infected with this virus of sin. Violent, méchant. It's a powerful, very wicked virus. Qui nous sépare de l'amour de Dieu. Because it is the virus that separates us from the love of God. Qui nous sépare de la vie. Separates us from life. Et qui amène les gens en enfer de façon éternelle. And brings people to hell for all eternity. En enfer, il n'y a pas de soulagement. You know, in hell, there is no relief from suffering. En enfer, il n'y a personne qui va venir te rafraîchir. In hell, there is no one who can come and refresh you. Il n'y a personne qui va te dire un mot d'encouragement. There's no one there who will bring a word of encouragement. Il n'y a personne qui va te donner un mot d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. There's no hope in hell. Il n'y a que de la souffrance. All that exists there is suffering. Que du feu. And fire. Que des brûlures. And burning. Et éternellement. And all that goes on for eternity. Frères et sœurs, je crois que Dieu nous montre par le coronavirus une illustration. Brothers and sisters, God is actually using the coronavirus as an illustration for you and I. De l'urgence que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ. He wants to realize the urgency of this time for the body of Christ. De nous mobiliser avec la même intensité qu'ont le corps médical dans notre nation.
He wants the church to be mobilized with the same intensity as the medical profession is mobilized. Et je veux profiter pour dire un grand bravo, un grand merci à tout le corps soignant, tout le corps médical. And I want to take a moment to thank and congratulate the amazing people who are serving in the medical profession. Et nous voulons que vous sachiez que nous prions chaque jour pour vous. We want you to know that we pray for you daily. Pour votre protection. We pray for your protection. Pour votre force, que vous soyez encouragé. We pray that you would be strengthened and encouraged day by day. Que même Dieu fasse des miracles et des prodiges. And we pray that God would do signs and wonders through you. Et nous voulons particulièrement encourager les frères et les sœurs qui sont impliqués dans le corps médical, qui sont soignants. We want to say a special thank you to those of you who are doctors and nurses and helpers at the hospital. Nous bâtissons une haie de protection autour de vous. And we have maintained a hedge of protection around you through our prayers. Vous êtes même un exemple pour l'Église de Jésus-Christ par votre consécration. In fact, you're an example to the body of Christ because of your consecration. La façon dont vous donnez vos vies pour soigner les autres. The way that you pour out your lives to take care of others. Pour les empêcher de passer de la vie à la mort. To make sure that they don't go from life to death. Donc Dieu a une parole pour son peuple aujourd'hui. God has a word for his people today. Quelle est cette parole? What is that word? Cette parole se trouve dans 2 Chroniques 7:14. It's a verse found in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Donc faisons pause quelques instants. It's time to take a break, just for a few minutes. Comme le dit le titre de ce message. As I said, the title of this message was. La fin de ce verset nous dit, je guérirai son pays. At the end of this verse, we see that God promises to heal our land. La fin de ce verset me montre que la volonté de Dieu, c'est de guérir mon pays. In other words, God's will is to heal our land. Ce verset me dit que c'est sa volonté de restaurer, de consoler et de sécher les larmes. This verse reveals to us how much God wants to heal and restore and comfort the people in our land. Donc Dieu veut éradiquer ce virus. So we know that God's desire is to totally eradicate the virus. Mais bien plus que cela. But even more than that. Il veut apporter un message d'espoir. He wants to release into the earth his message of hope. Un message de guérison, un message de vie. His message of life, his message of healing. Le message de la bonne nouvelle. The good news of the gospel. Donc nous avons vu dans ce verset que c'est la volonté de Dieu de guérir ce pays. So it is clear from this verse that it is God's will to heal our land. Mais il y a un mot qui est très important au début de ce verset. But there is a very important word that appears at the beginning of this verse. Si mon peuple. If my people. Ça me donne une responsabilité. In other words, it is showing us our responsibility as the people of God. C'est ma responsabilité et c'est ta responsabilité. It is my responsibility and it is your responsibility. De faire en sorte que la volonté de Dieu soit manifestée dans ma nation. To make it possible for God's will to be manifested in our nation. Donc c'est la volonté de Dieu de guérir cette nation, mais c'est ma responsabilité de faire en sorte que cette promesse se manifeste dans ma nation. So, it is God's will to manifest healing in our nation, but it is up to us to take the responsibility to see that happen. Donc nous allons, comment dirais-je, décortiquer un peu ce verset par rapport à ce que Dieu nous dit.
So we're going to look at this verse a little bit more closely to understand what God is saying to us. De bien faire attention à ce que Dieu est en train de nous dire. We need to pay attention to what God is trying to tell us. Dieu dit, mon peuple. God speaks and says, my people. Sur qui est invoqué mon nom? Who call out my name or who belong to me, in other words. Il faut comprendre quelque chose. This is what we need to understand. C'est que nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes la prunelle de ses yeux. We, as the people of God, are truly the apple of his eye. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour mes frères et sœurs. And I can't keep myself from thinking about my brothers and sisters. Pour mes collègues pasteurs. My colleagues, my other pastors. Qui passent par des moments difficiles dans leurs églises. Other pastors in my land that are going through such a hard time with their churches. Et je pense tout particulièrement au pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église de Mulhouse. We think with much fondness and appreciation for Pastor Samuel Peter Schmidt of the Open Doors Church in Mulhouse. Et j'encourage tous les chrétiens à prier, à intercéder pour nos frères et sœurs qui passent par ces moments difficiles. I want to encourage each of you, brothers and sisters, to pray for that church. They are going through a very difficult time. Nous faisons partie de ce peuple. But we are all together part of the body of Christ. Une partie d'entre nous est en train de souffrir. And one part of the body is now suffering very intensely. Et encore une fois, en tant que peuple de Dieu, nous sommes la prunelle de ses yeux. As the people of God, we are truly the apple of his eye. Et j'ai envie de dire que personne ne peut toucher le peuple de Dieu. No one has the right to come against the people of God. Sans qu'il y ait une riposte du ciel. Without having some response from heaven. Donc peut-être que des frères et sœurs des églises ont été touchés. Now perhaps you know other churches that have been profoundly touched by this crisis. Et je sais qu'il y aura une riposte du ciel. But we know that there will be a response from heaven in their favor. Parce que le peuple de Dieu est la prunelle de ses yeux. Because the people of God is the apple of God's eye. On ne peut pas toucher au peuple de Dieu impunément. No one can touch the apple of God's eye without suffering the consequences. Donc nous prions pour nos frères et sœurs qui sont passés par des temps difficiles. So we want to continue praying for our brothers and sisters who are going through a particularly hard time. Afin que la consolation, l'espoir, la foi. So that comfort would come, hope would come, faith would come. Que l'amour de Dieu puisse les remplir. And that they would be filled with the love of God. Et qu'une aide de protection soit autour de nos frères et sœurs, de leur famille. And that we would uphold this hedge of protection around our brothers and sisters and their families. Et nous savons qu'il y aura une réponse, une riposte du ciel. We know that there will be a response from heaven on their behalf. À sécher les larmes. And God himself will come to dry every eye, every tear. Il va apporter l'espoir. And renew hope and faith in the hearts. Manifester la paix du ciel que rien ni personne ne peut voler. And he will birth this peace from heaven that no one can steal. Bon, c'était une parenthèse importante. It was important for me to say this. Donc, continuons à prier pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Je pense aussi à notre frère, le pasteur Abel, de l'église de Sion. Let's continue to pray for the people of God. I want to also lift up Pastor Abel from our sister church, donc, the Tamil church. À nous tenir sur la brèche. We're going to stand in the gap for our sister church. Dans la prière. We're going to be praying for our brothers and sisters in that en church. Sachant que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Knowing that the weapons of our warfare are powerful. Elles sont puissantes et efficaces. They're powerful and they're effective. C'est notre appel, c'est notre mission en tant qu'église. This is our calling, brothers and sisters. This is our mission.
de nous tenir sur la brèche. To stand in the gap. Et d'élever nos mains. To raise our hands. Afin que le ciel puisse venir envahir la terre. And call forth heaven on earth. Donc il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. If my people who are called by my name humble themselves and pray. S'humilie, prie et cherche ma face. And if they seek my face. Dieu est en train de nous rappeler le rôle que nous avons sur cette terre. God is reminding us of the important role we have to play here on this earth. Il est en train de nous rappeler le pouvoir que nous avons sur cette terre. He's also reminding us about the power and authority that we have on this earth. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. I really want to say something important to you, brothers and sisters. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec le coronavirus. What we are currently experiencing with the coronavirus. Qui est dramatique. Is something dramatic. It's beyond anyone's expectations. Mais qui n'est rien du tout comparé à ce que le monde va vivre. But the way we go through it is nothing like the way the world goes through it. Quand il n'y aura plus un seul chrétien pour prier, pour intercéder. Think about it. What if there were no longer any Christians to intercede and pray for this world? Notre intercession fait barrage aux œuvres des ténèbres. It would be far worse because our prayers and our intercession is holding back the darkness. Notre intercession est importante. Our intercession is so important. Mais il est dit ici de prier et de chercher sa face. That's why God is speaking to us today, to come, to pray, to seek his face. Mais il y a un mot important d'abord, c'est s'humilier. But even before that, the first thing he says is to humble ourselves. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire que le peuple de Dieu n'a pas une attitude arrogante. It is important for the people of God to never have an arrogant or prideful attitude. Jamais une attitude de propre juste. Oh, nous, on est juste. Or self-righteousness. Non, on a une attitude humble. No, our attitude should always be one of humility. Rempli de compassion de Dieu. Filled with the compassion of God. Avec des entrailles remplies de compassion. That our heart, our innermost being would be filled to overflowing with compassion. En sachant que notre force vient de Dieu. Because we all know that our strength comes from God. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. And without God, we can do nothing. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Without God, we can do nothing. C'est en cela que nous nous humilions devant la main puissante de Dieu. That's why it is so important for us to humble ourselves under the mighty hand of God. Dans s'humilier, prier et chercher sa face. Humble ourselves, pray and seek his face. Donc je me rends compte que sans Dieu, je ne peux rien faire. We realize we can do nothing without God. Mais je sais qu'avec Dieu, j'ai cette possibilité de venir dans sa présence. But because of Jesus, we can come into God's presence. À cause du sang précieux de Jésus. Because of the precious blood that Jesus shed for us. J'ai le pouvoir de venir m'adresser à mon Dieu. We have the power and the right to come and speak to the Lord God. J'ai le droit, j'ai la permission. We have his permission. De me présenter devant Dieu et de chercher sa face. To come before him, to seek his face. Et d'écouter ce que Dieu me dit précisément dans cette situation. And to listen very carefully to what he is saying to us specifically in this crisis. Qu'est-ce que Dieu me dit? What is God saying to me? Et simplement, je vais vous donner une petite astuce, frères et sœurs. I'm going to give you a little tip. Jésus n'a jamais réagi par rapport à ce que le diable faisait. Jesus never reacted in regards to what the devil was doing. Jésus agissait toujours en fonction de ce qu'il voyait le Père faire. Jesus always reacted because of what he saw the Father doing.
Jésus était toujours focalisé sur ce que le Père faisait. Jesus was always focused on what the Father was doing. Et c'est pour ça que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, because of that, we, as the children of God, nous devons réaliser l'héritage que Dieu nous a donné. We need to realize the inheritance that God has given to us. Ce privilège que nous avons de nous tenir dans sa présence. We need to cherish this privilege that we have to dwell in the presence of God. De nous lever tôt le matin pour chercher sa face. You know, it's an honor to wake up early in the morning and seek the face of the Lord. Et d'écouter le cœur de Dieu pour aujourd'hui. It is a precious thing to be able to listen to the heartbeat of God and everything he wants to say to us. Il est temps, frères et sœurs, de prendre position. It is an honor and a privilege and a responsibility for us to take our position before the throne. Et de nous détourner de nos mauvaises voies. And the other thing this verse continues to say is, if my people turn from their wicked ways. Donc mauvaise voie, on pense tout de suite à péché. The minute we read that and we see the words wicked ways, we think about sin. Ça pour moi, c'est une évidence. For me, that's already obvious. Les chrétiens ne devraient pas se vautrer dans le péché. Christians are not supposed to be given to sin. Et si tu es dans le péché aujourd'hui et que tu vis dans ces temps particuliers, alors repens-toi. And let me say this, if you are in sin today, if you are not living a lifestyle that brings glory to God, I call you to repentance. Reconsidère tes priorités, reconsidère ta vie, reconsidère la fragilité de ta vie. Come to the place where you can realize the shortness and the fragility of your life here on this earth. Demain n'est pas une promesse. You know, tomorrow is not a guarantee. Amen. Mais ce que je veux dire aujourd'hui par le fait de se détourner de ces mauvaises voies. So what does this mean? To turn away from your wicked ways. What does that mean? Je veux parler à l'église de Jésus-Christ, aux chrétiens. God was speaking to his people, to the church of Jesus Christ. Qui peut-être se sont laissés endormir, anesthésier. And in some cases, it was the church of God, the people of God, who fell asleep, who were becoming lethargic. Ont oublié leur mission sur cette terre. Or who forgot the mission that God entrusted to them. Ont oublié leur appel sur cette terre. Or who forgot the calling of God upon their lives. Ont oublié qu'ils étaient la lumière du monde sur cette terre. It was talking to the people who forgot that they were the light of the world. Ont oublié que Dieu voulait faire d'eux le temple du Saint-Esprit sur cette terre. The people who forgot that they were the temple of the Holy Spirit and therefore vehicles of what God wants to do on the earth. Ont oublié d'entendre la voix de Dieu chaque matin. They forgot that it was their responsibility to hear what God was saying every single day. D'avoir cette oreille de disciple. To have the ear of a disciple, qui entend le cœur de Dieu. That hears the voice of God and the very heartbeat of God. Pour faire les œuvres de Dieu. In order to do the will of God, to do the works of God. Donc, qu'est-ce que dit l'Esprit de Dieu ce matin? What is the Holy Spirit saying to you this morning? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. If my people, who are called by my name, humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins. Je lui pardonnerai son péché. I will forgive their sin. Ça me fait penser à une histoire dans la parole de Dieu avec Josué. This reminds me of a story in the book of Joshua. Lorsque Dieu a dit, sanctifiez-vous,
car demain le Seigneur fera de grandes choses. Right before they went into battle, the Lord said to them, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord our God will do great and mighty things. Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera de grandes choses. Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do great and mighty things. Comme je disais, pour moi, c'est un entraînement, cette maladie. This sickness is in fact our training ground. Et Dieu appelle son peuple à s'entraîner, à se sanctifier. God is calling us as the people of God to be trained, to get ready, to be sanctified. Car Dieu veut faire de grandes choses à travers son peuple. Because God is wanting to do great and mighty things through his people. C'est une façon de nous réveiller, de nous mettre en alerte. In other words, he can use this crisis to wake us up and to make us more aware. Dieu utilise son peuple. Dieu utilise cette situation. In fact, God is using this situation pour faire un appel à son peuple, to call his people, afin de nous préparer, to prepare his people, afin de nous humilier, de prier, de chercher sa face, de nous détourner de nos mauvaises voies. To humble his people, to incite his people to praying and humbling themselves and seeking his face. De nous sanctifier. He's even using this situation to purify his people. Dans le seul but with de one guérir goal in notre nation. And his one goal that he has in mind is to heal our nation. Et pas guérir notre nation simplement du coronavirus. And I'm not just saying healing our nation from the virus itself. D'un des plus grands réveils. This crisis could in fact be the spark of one of the greatest revivals our nation has seen. Mais nous devons nous sanctifier. But we need to purify ourselves. Nous devons nous préparer. We need to prepare ourselves. À être des vases. We need to be ready to be vessels. Remplis de l'amour de Dieu. That are filled to overflowing with the love of God. Remplis de la puissance de Dieu. Filled to overflowing with the power of God. Remplis de la passion de Dieu. Filled to overflowing with passion for God. Et nous, en tant qu'Église de France, nous avons un appel particulier. And the Church of God in France has a very particular calling. Nous avons un appel d'être amoureux de Dieu. Our first calling is to be lovers of God, above all else. Des adorateurs, des adoratrices, des passionnés de Dieu. Passionate for God, worshippers in spirit and in truth. Qui répandent la paix, qui répandent l'amour, qui répandent la grâce, qui répandent la guérison de Dieu. Who are ready to share the love of God, the peace of God, the grace of God in every place. Nous avons aussi un appel prophétique en tant qu'Église de France. The Church of France also has a prophetic calling on it. Le message de Dieu pour nous, Église. And the message of God for the Church of God est de nous lever dans la force que Dieu nous a donnée. Is this. Rise up in the strength that your God has given you. D'être une voix dans cette nation. Be my voice. Be the voice of God in your nation. Mais avant de reconsidérer nos priorités. But even before we are doing this actively, we must reconsider our priorities. De nous débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. We need to get rid of the things in our lives that are not essential. Et de prendre notre héritage. And we need to learn how to seize our inheritance. La Bible dit que les temps que nous vivons, frères et sœurs, the Bible says that the times that we live in, que des prophètes, que des rois dans les temps de l'ancienne alliance, were seen even by prophets and kings of the Old Testament. Ont désiré vivre ces temps, les voir. And when they saw that, they desired, they wanted to live in the times we live in.
par rapport à la gloire qui allait être manifestée. Particularly with respect to the glory of God that would be manifested in our day and age. Par rapport à la façon dont le peuple de Dieu allait être utilisé par Dieu. And because of the way that God would use his people. Rappelons-nous ce qui a été fait le jour de la Pentecôte. Do you remember what happened on the day of Pentecost? Le jour où l'Église est née. It was that very day that the Church of Jesus Christ was born. Le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux et il a rempli toute la chambre haute. The Holy Spirit came as a violent wind and filled the entire upper room. Et l'événement était tellement extraordinaire que Jérusalem a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. It was such an extraordinary event that the entire city of Jerusalem witnessed something they had never witnessed before. Et même ces gens qui étaient dans la chambre haute. And those 120 people in the upper room. Ces 120 de la chambre haute. There were only 120 people there. Entre parenthèses, ils ont commencé une réunion de prière alors qu'ils étaient 500. But, just in parentheses, when they started that prayer meeting, they were 500. Certains d'entre eux se sont fatigués après quelques jours. But at the end of a few days, some of them were getting tired, so they left the prayer meeting. C'était une réunion de prière qui a duré plusieurs jours. It was in fact a prayer meeting that lasted many days. Le Seigneur leur disait, attendez. The Lord had already told them, wait in attendez Jerusalem. Attendez la promesse du ciel. Wait for this promise from heaven to be revealed. Pour certains d'entre eux, c'était un petit peu trop long d'attendre. Now for some of them, unfortunately, the wait was too long. Donc sur 500, seulement 120 ont attendu jusqu'à la fin. So out of 500 people who started the prayer meeting, only 120 et ont vu la manifestation de la promesse. And only 120 of them saw the manifestation of God's promise. C'était tellement extraordinaire. And it was such an extraordinary event. Que la ville même a dit, mais qu'est-ce qui se passe? The whole city was shaken and they were saying, what's happening? On a entendu comme un bruit dans le ciel, un grondement dans le ciel. We heard this rumbling noise coming from the upper room. Et la puissance de Dieu est tombée sur les 120. It was at that moment that the power of God fell on those 120 people. Et rappelez-vous de Pierre qui avait trahi le Seigneur, qui avait renié le Seigneur trois fois. Now remember, Peter, who was the man who denied Jesus three times, qui avait agi par la peur, who was fearful to admit that he knew Jesus. Et on peut s'identifier à lui, à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un jugement contre Pierre. And I'm sure each of us can identify with him. It's not like we're judging him. We'd be the same. Mais quand la puissance de Dieu est tombée sur lui ce jour de la Pentecôte, but this is what happened. When the power of God fell upon Peter the day of Pentecost, Pierre s'est levé dans la puissance de Dieu et a prêché un message qui a touché 3000 personnes en une seule fois. Peter stood up with boldness and under the powerful anointing of the Holy Spirit preached the gospel and saw 3,000 people come to the Lord. Pierre faisait partie de ces 120 qui s'étaient humiliés, qui avaient cherché la face de Dieu et qui avaient qui s'était détourné de ses mauvaises voies. Et le Seigneur est venu et a envahi l'atmosphère, a envahi la terre. Peter was among the 120 people who were there praying and seeking God and humbling themselves and turning from their wicked ways. And he was the one God used when he poured out his spirit. Alors frères et sœurs, peut-être que nous sommes confinés en ce moment. So brothers and sisters, even if you find yourself confined in your homes under this lockdown, il est temps qu'en tant que peuple de Dieu, nous entendions l'appel de Dieu à la prière, à l'intercession, à chercher la face de Dieu, à se détourner de ses mauvaises voies. It is time for us as the people of God to humble ourselves, to pray, to seek God's face, and to turn from our wicked ways. Et Dieu, sans l'ombre d'un doute, va répondre à notre prière pour guérir notre nation. Pour guérir notre monde. And without a shadow of a doubt, God himself will turn to us, will hear our prayers, and will heal our land as well as the nations of the world. Entendons-nous l'appel de Dieu, frères et sœurs?
It is time to hear the call of God on our lives, brothers and sisters. L'appel de Dieu à ce que le peuple de Dieu se lève dans l'unité comme un seul homme. God is calling us to rise up together in unity as one man. Avec une seule voix. With one voice. En décidant de stopper nos petites querelles de clochers. A people who has decided to let go all those little quarrels and conflicts. Et même si nous avons des personnalités en tant qu'église. Even if the church is made up of people with different kinds of personalities. Nous serons capables de célébrer nos différences. We should be able to celebrate our differences. Et de parler d'une seule voix à cette nation, du message de l'évangile, du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. And to be united in order to speak with one voice and announce the gospel of Jesus Christ, the good news. Et Dieu va guérir nos nations en manifestant sa gloire par des signes, par des miracles et des prodiges qui viendront attester le message que nous prophétisons et que nous proclamons à cette nation. It is in this way that God himself will manifest his power with signs and wonders and miracles and healings in order to reveal his glory and win the hearts of the people in our nation. Dieu fait de toi la réponse à ce pays, à cette nation. God has made you the solution for your nation. Et comme je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est de guérir cette nation. And we said this before, God's will is to heal our nation. Et ma responsabilité, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour cette nation. So my responsibility is to respond to the call of God. Donc, frères et sœurs, je vais conclure. I'm going to close with this now. Avec une prière. We're going to pray together. Donc, si tu es d'accord avec moi, on va se reconsacrer en tant qu'Église de Jésus-Christ. As a church of Jesus Christ, we are going to take this time now to consecrate ourselves to God. On va s'engager à être le peuple de Dieu. Commit ourselves as never before to be the people of God. Le peuple de Dieu qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face de Dieu. A people who humbles themselves, prays, and seeks the face of God. Qui se détourne de ses mauvaises voies. A people who turns from their wicked ways. Et qui fait en sorte que le ciel envahisse la terre. And that welcomes heaven so that heaven can invade earth. Par notre obéissance, par notre consécration. Through our obedience. Notre amour pour Dieu et pour les gens. Our obedience, our consecration, our love for God and our love for people, that his glory may be manifest. Hallelujah. Let's pray. Père très saint. Heavenly Father. J'ai entendu ta parole ce matin. I heard your word this morning. Donc vous pouvez répéter après moi. In your own homes, you can repeat this prayer out loud. Seigneur, je m'engage de nouveau en tant que ton enfant. Lord Jesus, I commit myself once again as your child. Je m'engage de nouveau en tant que ton fils, en tant que ta fille. Lord, I commit myself once again as your son or as your daughter. À m'humilier devant ta face. To humble myself before your face. À prier, à me tenir sur la brèche. I commit myself to pray, to intercede, to stand in the gap. À chercher ta face tous les jours de ma vie, Seigneur. I commit myself to seek your face every day. À entendre ta voix chaque matin. Hear your voice every morning. Afin de voir et d'entendre ce que tu veux faire au travers de ma vie. To be able to see and to hear what you want to do through my life. Seigneur, je m'engage à faire tous mes efforts pour être un porteur de ta présence. With all my strength, I commit myself to be the carrier of your presence in every place. Je m'engage même pendant ces temps de confinement. And even during this period of lockdown. À développer des nouvelles habitudes. I commit myself to developing new habits. Des habitudes où je vais chercher ta face. To seek your face. Des habitudes où je vais racheter le temps. To redeem the time. Je ne vais plus passer des heures et des heures devant la télévision.
I'm not going to waste any more time in front of the TV. Mais je vais me concentrer, Seigneur, sur l'essentiel. But focus on what is essential. Pour que je sois un porteur de ta présence, un porteur de guérison, un porteur de salut. So that you can make me a vessel of your glory, a vessel of healing, an instrument of your love. Pour que là où je sois, Seigneur, l'atmosphère soit complètement changée et bouleversée. So that wherever I go, Lord, the atmosphere would be totally changed. Seigneur, change-moi. Change my life, Lord. Et je veux me sanctifier. I choose to sanctify myself. Je sais dans mon cœur que tu veux faire des grandes choses à travers ton Église. Because I know in my heart you want to do great and mighty things through your church. Et je suis ton Église. I am your church. Je fais partie de cette Église sans tache ni ride. I am part of the glorious church without spot or wrinkle or any such thing. Qui est dans ce processus de transformation. This church that is currently being transformed. Seigneur, je veux avoir cette mentalité des 120. Lord, I want to have the same mentality as the 120 people in the upper room. Qui le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, Seigneur, attendez. Who are waiting for your manifestation on the day of Pentecost. Car ils étaient passionnés par toi. Because they were passionate for you, Lord. Ils ont réalisé l'appel que tu avais mis sur leur vie. They recognized the calling of God upon their lives. Et ils ont cru à ce que toi tu disais, Seigneur. And they believed what you had promised. Et ils se sont tenus dans la foi. And they remained in faith. Et Seigneur, je crois à cette parole de 2 Chroniques 7, 14. I believe the word you gave us today, 2 Chronicles 7, 14. Et je veux me tenir dans la foi. And I'm going to take my position in faith. Pour voir la manifestation de ta gloire dans ma vie et au travers de ma vie, Seigneur. In order to see the manifestation of your glory in my life and through my life. Voir des personnes qui sont arrachées de l'enfer chaque jour. Que tu in fais. Order to see souls removed from hell and saved. Voir des personnes qui sont délivrées de la puissance des ténèbres. In order to see people delivered from the powers of darkness. Voir des personnes qui sont guéries, Seigneur, de maladies and incurables. Even see people healed from incurable sicknesses. Voir des familles, Seigneur, qui sont réconciliées, restaurées. In order to see families that are reconciled and restored one to another. Voir, Seigneur, des parents qui sont réconciliés avec leurs enfants et des enfants qui sont réconciliés avec leurs parents. In order to see parents reconciled to their children and children to their parents. Seigneur, saisis-nous ce matin. Get a hold of us today, Lord, we pray. Que ce message de ta parole soit porte du fruit. And let the message that we heard in your word today bear much fruit. Et même après, Seigneur, que nous aurons passé cette épreuve avec le coronavirus. Fruit that remains even after we go through this coronavirus crisis. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes. That we would never be the same. Et que nous puissions nous manifester comme étant l'Église de Jésus-Christ. And so that we would manifest in the earth as the Church of Jesus Christ. Remplis de ton amour. Filled with your love. Remplis de ta sagesse. Filled with your wisdom. Et manifestons la puissance de ton royaume. And revealing the power of your kingdom. Sur cette nation. In our nation. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty, mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. J'espère que vous avez pu apprécier ces moments que nous avons passés ensemble. I hope you were able to appreciate this time that we had together. Même si ce n'était pas quelque chose de conventionnel comme nous avons l'habitude de vivre dans nos églises. Even if it wasn't in the conventional way that we experience a Sunday service. Mais comme nous le disons souvent, l'église, ce n'est pas le bâtiment. But we've said this before. The church is not a building. L'église, c'est chacun d'entre nous, des pierres vivantes. The church consists of you and me, each of us together as living stones. Nous voulons glorifier Dieu. Coming together to glorify God. Et magnifier son règne
sur cette terre. And magnifying his kingdom on the earth. Je vous encourage à continuer à rester sur la brèche. So I just want to encourage you to stay in the gap. À continuer à bâtir une haie de protection autour de nos frères et sœurs, autour du personnel soignant, autour des personnels de police, de sécurité, de pompiers, de gens qui sont sur le devant. And continue to maintain that hedge of protection around the people who are serving. They're in the front lines, like the medical profession, the police, the firemen, and the ambulances. Je pense aussi à ces personnes qui sont derrière, qui ont leur magasin ouvert, aux caissières, aux livreurs, qui sont obligés de travailler pour que nous puissions bénéficier du confort que nous avons même dans le confinement. And remember to pray for the people who still have their stores open and the people at the cash register and the people that are delivering the things that you and I need to enjoy the comforts of life. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez envoyer vos sujets à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Now, if you have any prayer requests, you may send them in writing to the address on the screen. Soyez bénis. God bless you. Et surtout, soyez une bénédiction.